Ce test match qui s'annonce particulièrement éprouvant pour les organismes. Bien difficile de faire un pronostic tellement le niveau des deux équipes est proche. Et à mes côtés dans la cabine commentateur, Thomas Lombard. Très belle condition de jeu ce soir, Thomas. Ce devrait être un match de grande qualité. Il y a un peu d'agitation à travers le stade alors que nous attendons que les choses sérieuses débutent. L'écart de niveau n'est pas très important entre ces deux équipes. Le match peut aller dans un sens ou dans l'autre et tout va dépendre de la volonté de produire du jeu et bien. Il ne reste plus qu'à attendre que l'arbitre donne le coup d'envoi. Coup d'envoi du match. Coup d'envoi bien réceptionné. White récupère ce ballon. Le centre la donne vers l'arrière. Il décide de jouer la pénalité à la main. Il lui faut du soutien. Franchit la ligne médiane. L'équipe d'Australie cherche à former un ruck. White prend le ballon. Le talonneur la remet vers l'arrière. Le numéro 10 fait une bonne percée. Récupération du ballon. Bien joué sur ce ruck. S'empare du ballon perdu. Et c'est un essai entre les poteaux. Voilà comment on marque 5 buts. Les enfants qui regardent le match devraient prendre des notes. Transformation dans quelques secondes. Allez, ça devrait passer tout seul, les yeux fermés. Transformation facile. Allez, bientôt la reprise. Coup d'envoi récupéré. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. C'est fait très mal, hein, c'est pas certain qu'ils reviennent. Flexion. Mêlée. Jeu. Très belle entrée en mêlée. White introduit le ballon. La défense est bien en place pour l'instant. L'arbitre dit que le ballon est jouable. Épouvantable passe en force. White cherche des options. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Oui, il conserve le ballon. Il assure la passe. Il fait la passe. Bonne accélération. L'ailier gauche a trouvé l'intervalle. Il a du champ devant lui. Oui, ils ont toujours le ballon. White le dégage. Fait une bonne passe. Une bonne grosse percussion. Le numéro 14. Allez, ballon. Attention à lui. C'est une pénalité. Oui, c'est un plaquage honteusement. Carton jaune n'est pas loin pour certains.
Le premier centre a une chance d'ajouter encore 3 points à condition d'avoir la distance. Et il creuse l'écart avec plus de 7 points. Ouais, c'est plutôt un bon coup de pied, c'est bien frappé. Ils sont déterminés à obtenir une avance confortable. C'est reparti. Coup d'envoi réceptionné. Oh, quel plaquage. Lâché. C'était les urgences. Il essaie de le récupérer au contest. Bon contest. Le ballon a été chippé. Récupération. Leurs efforts sont bien récompensés. Ah, il va lui falloir du temps. Lâché. Le ruck est formé. Il doit relâcher le ballon. Passe le ballon. Ils ont perdu le ballon, mais pas d'en avant. Ballon perdu, mais toujours vers l'arrière. Ils ont eu un peu de chance sur ce coup-là. L'arbitre fait signe de jouer. Ballon récupéré. Belle récupération du ballon, c'est parfait. Beau travail des joueurs lâché. Dans le ruck. Ils n'ont rien lâché. Et il doit le relâcher maintenant. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Lâché. Le ballon est contesté. Encore un gros contact. Lâché. Il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Ils enchaînent les phases de jeu. Et hop, il prend le ballon. Ah, il accélère. Lâché. Il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Alonso passe ce ballon. 3 sur la défense. Il accélère. Oh, quel plaquage. Lâché. C'était les urgences. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Figalo la donne vers l'arrière. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Le numéro 2 pour un joueur lancé. Emery a bien attaqué la ligne. Et c'est une touche. De retour à l'instant du bon touche, Eric. Bataille en touche, ballon contré. Ballon contré. Est-ce qu'il a encore le ballon? Eh bien oui. Il essaie de le récupérer au contest. Il est tout près de la ligne. La défense au plaquage, et c'est quand même. Il y a une bonne construction. J'ai aimé la façon dont ils se sont comportés. On peut voir qu'il a bien réussi à perforer la défense pour obtenir l'essai. Il se prépare pour la transformation. Avec un score aussi serré, 2 points qui pourraient bien faire la différence. Transformation réussie, sans problème. Avec ça, les cartes se referment tout de suite et ils devraient privilégier leur chance de prendre l'avantage. Et le match qui reprend. Coup d'envoi bien capté. C'est bientôt la mi-temps maintenant. Le ballon continue de circuler. Il porte le ballon au-delà des 22. Ils l'ont récupéré, bien joué. Fait circuler ce ballon. Mauvaise tentative de passe après contact. Oh, quel plaquage. Un peu plus et c'était les urgences. N est inarrêtable. Le public est debout, ils ont compris que ce ballon a changé de camp. White fait circuler le ballon. Le centre fait circuler ce ballon. Quel plaquage. Un peu plus et c'était les urgences. Oh. Et la pénalité est accordée. Il a tendu le bras, il l'a pris trop haut. L'arbitre ne va pas le sanctionner outre mesure. Il se contente juste d'une pénalité. Il est sympa, pas de carton. Il va devoir se faire pardonner d'avoir abandonné ses coéquipiers sur le terrain. Le premier centre qui s'apprête à tenter ce coup de pied. Le numéro 12 réussit la pénalité. On doit admirer l'engagement inflexible des deux équipes dans cette partie. Ils se sont parfois éparpillés, mais c'est quand même un match serré. 13-7 à la mi-temps. Eh bien, le score est serré ici à la pause. Sans surprise, c'est un match très équilibré. Et pour l'instant, la discipline est un facteur important dans ce match. Les deux équipes sont en place. La seconde mi-temps va débuter. Long coup de pied en profondeur. Coup d'envoi réceptionné. Nouveau point de fixation. Bon contest. Lâché. Jolie passe pour son soutien.
tout droit dans la défense. Badalou qui passe vers l'intérieur. Lâché. Rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Et ils obtiennent la pénalité. Vous n'avez pas tort, Eric. C'est, à mon avis, clairement une pénalité. Décision, on tape en touche. À suivre, touche. Figalo gagne ce ballon. Ballon capté pour former ce maul. Récupération du ballon, bien joué sur ce contest. Les joueurs dans le ruck font bien leur boulot et conservent le ballon. Il transmet le ballon, il charge et il est bien stoppé. L'ailier droit qui attaque la ligne. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Il attaque la ligne, il percute le premier rideau. Il essaie de le récupérer au contest. Le centre le récupère. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. White trouve du soutien. Le numéro 4 avec une passe courte. Le centre. Oh, la belle accélération. Le ballon est contesté. C'était pas le moment de tenter la passe après contact. Alonso à l'origine de ce ruck. Récupération du ballon. White remet la main sur ce ballon. Et pénalité. J'ai l'impression qu'il était et l'arbitre aussi apparemment. Ah, il a perdu son sang-froid. Ça y est, les 10 minutes sont écoulées. L'équipe des Wallabies refuse la possibilité de tenter les 3 points. Elle va taper en touche. Et ils trouvent la touche. Et donc, ils vont obtenir une touche. Bah, ils vont vouloir tenter leur chance. Ballon perdu sur ce lancer. La touche leur pose un véritable avantage. En avant, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Avantage en cours. Il a perdu le ballon lors de l'impact. C'était un très bon travail défensif. On est tout près de la ligne. Il fait la passe. Et ils reviennent pour une mêlée. Première mêlée de cette partie. Ils sont en bonne position pour la mêlée. Jeu. L'équipe des Wallabies avec l'introduction. 13-7. L'équipe des Wallabies mène. Bien joué, jolie conservation de la balle. White le ramasse. Ouh là là ! Les pénalités juste devant leur ligne d'essai. Quelle énorme erreur ! Ce genre de comportement, c'est tout à fait inexcusable. Allez, du retour sur le terrain. Espérons qu'il aura tiré une leçon de ces 10 minutes d'exclusion. Ça ne devrait pas poser problème. Le coup du pied réussi leur permet d'obtenir plus de 7 points d'avance au tableau d'affichage. Ouais, ce joueur tape très très bien au but. C'était très bien joué et ils obtiennent des points pour la peine. Et le match qui reprend. Coup d'envoi bien capté. C'est une pénalité qu'ils vont jouer à la main. Il fait circuler le ballon. Jolie petite passe. Il passe le ballon. Le numéro 11 sur la ligne des 50. Il passe par le sol. Et il récupère le ballon. Bon travail. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et on dirait bien que le ballon a changé de main. Passe courte. En percussion sur la défense. Le centre. Il accélère. Ils veulent la jouer à la main. Ils essaient de les surprendre avec la pénalité. Jouer rapidement. Il faut qu'ils s'arrachent. Et c'est marqué. Ils ont de beaux échecs. C'est un bon résultat. À suivre la transformation. Et c'est un peu sur le coup.
Et ce sont deux points supplémentaires. Un drop magnifique pour lui. C'est reparti. Tout l'envoi bien réceptionné. Bonne interception malgré la pression. Il faut savoir garder son sang-froid dans ce genre de situation et il s'en est très très bien sorti. Il essaie de le récupérer au contest. Le premier centre le passe à un joueur lancé. Il faut attaquer la ligne. Le centre, bonne accélération. L'équipe d'Australie devrait conserver le ballon. Petite passe. Le deuxième ligne avec une bonne passe très précise. Il fait la passe. L'ailier gauche avec beaucoup d'espace devant lui. Personne ne va pouvoir le reprendre. Et c'est un essai. Quelle performance, quelle finition, excellent essai. Ébouriffant. Reste impressionnant en effet. Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Ouais, il a très bien joué là. Il s'est échappé et personne n'a pu l'arrêter. Il était tout simplement trop rapide. Transformation qui ne devrait pas tarder. Pas simple d'aller chercher. Il ne leur reste plus que quelques minutes pour faire quelque chose. Et ça passe malgré la distance. C'est vraiment un coup de pied bien frappé. Hein. Il n'était pas du tout évident. On est maintenant dans la dernière seconde de la partie. Allez, bientôt la reprise. Coup d'envoi récupéré en puissance. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Bien joué, jolie conservation de la balle. Transmet le ballon à son coéquipier. La charge pour casser le plaquage. Il récupère le ballon perdu. Et c'est en touche. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. L'équipe des Wallabies a été trop fort sur la fin. Une bonne bataille entre ces deux équipes. Ils ont dominé de bout en bout. Le nombre de pénalités a posé problème, beaucoup trop élevé. L'équipe d'Australie a dominé incontestablement dans tous les compartiments du jeu. Thomas et moi-même vous disons au revoir, à bientôt.